Je vais garder aujourd'hui le pire bébé au monde pendant plus de 3 nuits. Et vous allez voir que ce bébé cache des très mauvaises surprises. Et il va d'ailleurs tenter de me tuer à plusieurs reprises, ça va vraiment être horrible. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et dès maintenant, on est parti. Et c'est parti pour l'aventure The Baby in Yellow, dans lequel on va donc devenir papa et on va s'occuper de ce petit enfant juste là-bas. Alors, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a déjà une tête un peu étrange. Et je pense qu'il va aussi nous causer beaucoup de fil à retordre. Et c'est pour ça que dès maintenant, on est parti découvrir un petit peu ce que Baby Yellow peut nous réserver. Alors, comme vous pouvez le voir, il est plutôt mignon. Oh, oula, non, en fait, je retire tout ce que j'ai dit sur lui. Regardez-moi ça, il a des gros yeux globuleux. Il faut qu'on le nourrisse en prenant directement un biberon dans le frigo. Mais attendez, mais what? On peut en faire ce qu'on veut du bébé? Regardez ça. Hop là, allez, va là-bas, toi. Allez, soyons sérieux, je crois qu'il commence à être un petit peu triste. Et il veut absolument sa nourriture. Donc, dès maintenant, allons dans le frigo et découvrons un petit peu s'il y aurait pas une petite boisson pour lui. Alors, on a quoi dedans? On a des tomates, on a du fromage, on a des oignons. Nous, il nous faut le petit biberon. C'est parti. En tout cas, voilà, ça y est. Je t'ai donné ton petit biberon. Alors, par contre, oh, c'est mou. Il y a une odeur bizarre là. Oh, mec, mais attends, mais. Mais je crois qu'il a fait caca dans sa couche, les gars. Regardez-moi ça. Il a... Sa couche, elle est toute verte. On le met sur la table à changer d'ailleurs. Oh, il a un petit pansement ici. Je crois que bébé s'est fait bobo. Prenons directement la couche. What? Mais. Il était pas là le bébé? Bébé, t'es passé où là? Mais il a complètement disparu. Oh, attendez, il y a un truc à récupérer ici. Ok, très bien. Oh, mais le bébé, il est juste là. Mais où est-ce que t'es allé, mec? Bon, si, voilà, je viens de le changer. Et donc, maintenant que t'as une couche toute propre, bébé, il est temps que je t'emmène du coup dans ta chambre. Alors, par contre, ta chambre, elle est où, bébé? On va essayer d'aller voir si sa chambre ne serait pas à l'étage pour voir. Ok, bon, cette porte est bloquée. Celle-ci, faites voir un petit peu ce qu'il y a. Oula, il y a des traces bizarres, mais non, à l'étage. On va pas y aller. Peut-être que cette chambre-là, c'est la chambre du bébé. Je pense bien que oui. Ah, voilà le petit lit. Maintenant que on a mis le bébé dans son lit, eh bien, on va devoir lui raconter une petite histoire. Et quoi de mieux que lui raconter une histoire parlant de petit chat? Hop là, nickel. Et maintenant, il faut que je m'assoie à côté pour lui raconter, évidemment, cette superbe histoire. On va lui raconter son petite histoire, voilà, nanani, nanana, super. Oh, il s'est endormi, les amis, nickel. Eh bien, dans ce cas-là, on peut quitter la salle et fermer la porte. Maintenant qu'on a fait ça, ce que je propose, c'est que on se repose tranquillement dans le salon, maintenant qu'on a réussi cette première nuit en tant que papa. C'est bon, on se pose tranquillement dans le salon, et puis on va regarder la télé en espérant que le bébé ne fasse pas de bêtises durant cette nuit. Oh, oh, what? C'est moi ou le bébé, il est en train de pleurer, les amis? Mais il est en train de pleurer, là, attendez, on va aller voir à l'étage, pourquoi est-ce qu'il pleure, les amis? C'est super bizarre, en tout cas, hein. Pourquoi tu... What? Mais il est passé où, le bébé? Normalement, il était censé dormir, là. Bon, écoutez, c'est bizarre, peut-être qu'il est dans cette là. On va retourner en bas, mais... Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, bébé? Allez, va dormir un peu. Non, mais les amis, c'est quoi ce bébé qui n'arrive pas à dormir la nuit? Mais eh, pour l'instant, les amis, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce bébé est vraiment très, très terrifiant. Bref, vous savez quoi? En tout cas, on va le ramener au lit et j'espère que tu vas dormir. Allez, tiens, prends ton chat. Et maintenant, ah, ça y est, il sourit. On peut refermer la porte et on va dormir tranquillement. Nickel, allez, on va donc... What? C'est bon, la porte vient de se réouvrir. Eh, hey, j'ai dit que tu dors maintenant. Pour cette première nuit, je trouve que ce bébé est quand même vraiment étrange. Et puis bah écoutez, je pense qu'il est maintenant temps d'aller se reposer un petit peu. On l'a bien mérité après avoir passé notre première journée en tant que papa. Dès maintenant, passons à la nuit 2. Et évidemment, plus les nuits vont passer et plus le bébé va être très 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 dangereux. Alors, oh, mais le bébé il est devant la télé aujourd'hui. Bon, bah écoute, dès maintenant, il faut qu'on lui prenne eh bien sa petite boisson. Alors, est-ce qu'on a un biberon aujourd'hui? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le frigo s'est fermé? Elle a disparu là! Il a disparu le biberon! Attendez, il faut encore regarder un petit peu dans toutes les pièces. Oh, c'est bon! On a retrouvé le biberon, c'est nickel! Par contre, les amis, eh, ce bébé. What? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il était juste à la télé tout à l'heure. Bébé. Oh! Attends, les amis, vous avez vu? Il a commencé à avoir des yeux très étranges là, comme si c'était un monstre. Bon, je sais pas si je dois te nourrir, toi, bébé. Allez, vas-y, tiens, on va quand même te nourrir. Et puis, je pense que ça y est, il vient de refaire caca dans sa couche. Donc, on va devoir le changer. Allez, c'est parti. Ce bébé me fait vraiment peur. Allez, on prend la couche. What? Mais, hé! Hey, hé, bébé, mais qu'est-ce qu'il fait avec la couche là? Attendez, mais la couche, elle est partie où? What? Allez là, allez là! Hé, hey, viens là, la couche, viens là! Mais... Comment ça se fait que... Comment ça se fait que la couche soit partie, quoi? Non, mais sérieux! Elle est passée où? Ah, elle est là! Eh, hey, reviens là, reviens là! What, elle est montée à l'étage, les amis. Mais c'est quoi cette couche? C'est quoi cette couche? Non, mais sérieux, elle est en train de partir n'importe où. Bon, les amis, il est maintenant temps que j'attrape cette couche. Viens là, que je t'attrape, là! Mais non, elle est en train de repartir, sérieux! Oh, elle vient de débloquer la nouvelle porte! Ah, mais en fait, il s'agit de ma chambre! Eh, hey, viens là, j'ai dit! Oh, what? Attends, on a un petit truc à récupérer ici. Par contre, les amis, c'est moi ou cette couche est super étrange? En tout cas, elle vient de se blesser et elle vient de briser mon mur. Et il est maintenant temps que je la récupère pour qu'on puisse la donner au bébé. Par contre, je suis désolé de vous dire, mais je commence vraiment à pas être bien du tout là. Ça me fait vraiment flipper. Allez, tiens, bébé, tiens, je te change ta couche et maintenant tu vas au lit, sérieux. Hein? Et arrête tes bêtises et tout là. Allez hop, on va directement
What? What? Mais les amis, vous avez vu le bébé un petit peu ce qu'il vient de faire? Oh là là, j'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. Va au lit, je vais te raconter ta toute nouvelle histoire et après tu arrêtes de m'embêter. Alors l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit lapin. C'est parti pour te raconter cette superbe histoire et j'espère que tu vas vite t'endormir. Les amis, par contre, les dessins de cette... Oh! Hey, pourquoi tu jettes le livre, bébé? Ce bébé est vraiment flippant. Peut-être qu'il veut la bonne peluche alors vu qu'on a raconté une histoire de lapin. Allez tiens, je te donne ta peluche du lapin. Ah, c'est bon, t'es content. Et on va donc se rasseoir tranquillement pour que je puisse te continuer cette petite histoire. C'est quoi ces images? C'est normal qu'il fasse des cauchemars, c'est une histoire d'horreur que je lui raconte. Bref, il s'est rendormi, il est maintenant temps que je ferme cette porte et que j'aille m'endormir. En tout cas, cette nuit 2 était encore plus étrange que la première, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il est maintenant temps que... Ouais, attendez, mais je voulais me reposer tranquillement et voilà que ça toque à la maison. Et attendez, mais pourquoi le lapin il est ici? Il était pas en haut il y a un instant, je lui ai donné à l'instant. Ok, bon en tout cas, on est dehors. Et comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression que on m'a donné un colis. Alors c'est un colis, oh, pour faire un toaster, pour faire de la nourriture. Oh, ça le bébé va adorer. Alors par contre, le lapin, il est parti où? Ok, d'accord, je sais pas quoi dire. Allez, on se rassoit. Et on va donc se reposer tranquillement devant la télé en espérant que rien ne se passe. On a réussi à survivre à la nuit numéro 2. Mais maintenant, on passe à la pire nuit du monde. Sûrement la dernière que je vais passer avec ce bébé en espérant qu'il ne me fasse pas trop peur. Pour commencer, on va se... Oula, le bébé est de nouveau en train de pleurer à l'étage. C'est parti. Qu'est-ce qu'il est encore en train de faire le bébé? Attendez, mais c'est moi ou je crois qu'il veut de la nourriture, les amis? Oh oui, il a super faim, les amis! Est-ce que ça te dirait qu'on te prépare un magnifique toast avec plein de nourriture? Bah, franchement, ouais. Allez, c'est parti. On va donc devoir dès maintenant faire un bon repas au bébé. Allez, c'est parti. On lui fait un super sandwich à ce bébé, comme ça, il devrait arrêter de m'embêter, là. Donc, tiens, fromage. Ah, mais oui, on a le toaster! Allez, c'est parti. Dès maintenant, on va faire le meilleur toast à mon bébé. On va lui faire un superbe croque-monsieur avec plein de fromage. C'est parti. Alors, combien de couches de fromage est-ce qu'on va mettre au bébé? On lui met 10 couches de fromage, il va adorer son sandwich. Allez, on lui en met 3, 4, allez, 5 petits morceaux de fromage. C'est pas mal comme ça, franchement. Maintenant, on met plein de petits jambons. Et franchement, je lui prépare son meilleur repas au bébé. On a des cornichons, pourquoi pas? Voilà. Alors par contre, les amis, vous voyez un petit peu l'étage que ça fait. Vous savez quoi? Et on va continuer à mettre un peu de fromage. À votre avis, est-ce que vous pensez que le bébé va adorer son petit toast? En tout cas, il est un peu gros. Dès maintenant, on le referme. Et c'est en train de cuire tranquillement. Oh, what? Mais qu'est-ce qui vient de se passer, les amis? Wow! C'est qui vient d'écrire ça? Feed me, nourris-moi! Le bébé? Attendez, le bébé commence à me faire super peur. Elle est passée où, sa nourriture? Là, je la vois plus. On va retourner à l'étage, peut-être? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la nourriture? Vous avez vu, ça vient d'exploser. What? Je peux même plus ouvrir la porte. Où est-ce qu'est passé le bébé? On va essayer d'aller voir dans le frigo s'il n'y a pas un truc. Oh, mais les gars, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? En tout cas, c'est cool puisque on a maintenant trouvé, eh bien, le nouveau biberon. On va directement aller nourrir le bébé. Oh, what? La porte s'est refermée et voici que je me retrouve, eh bien, dans le frigo. Mais le frigo géant, ça fait un peu peur. Il y a des bouteilles d'alcool, on dirait, ici. Me dites quand même pas que le bébé il s'est mis à boire de l'alcool là, sérieux. On va voir un petit peu où est-ce que le bébé a bien pu passer. Mais vraiment ce bébé me fait trop peur pour l'instant. What? Mais je suis dehors et le bébé il est encore en train de pleurer, où est-ce que je suis? Oh les amis, vraiment c'est quoi ça? Ok, on a un ascenseur fermé, mais il faut dès maintenant que je retourne dans la maison pour voir où est-ce que le bébé est passé. Oh mais les gars, regardez un peu le bébé, comment il fait peur! Il est maintenant temps que tu donnes sa nourriture. Ça y est, il est de nouveau content. On va le rechanger en espérant qu'il fasse pas de trucs bizarres cette fois-ci. Tu vas ici là et je vais directement te changer. C'est parti. Hop, on met là. Quoi? Mais qu'est-ce qui est arrivé au bébé, les amis? Il vient d'ouvrir sa boîte à jouer et il est en train de tout détruire. Ah, mais il fait trop peur. Mais il est passé où le bébé? Regardez-moi ça. Il est en train de jeter de la nourriture de partout et il jette tous ses jouets. What? Il a même fait une muraille. Où est-ce qu'il est passé le bébé? Oh, il est là. Eh, ok, bon, dès maintenant, il faut qu'on prenne, vous savez, la totote qu'il y avait dans la salle, dans la première salle. Ah! Mais c'est quoi ce bébé? Allez vite. On prend cette totote histoire de pouvoir le calmer. On casse la glace et normalement avec cette totote il devrait normalement être calme. Il faut qu'on calme ce bébé complètement fou. Tiens, prends-toi ta totote. Mais what? Ce bébé est complètement fou, je veux plus le garder les amis. Va au lit et cette fois-ci, pas de bêtises bébé hein. Oh, par contre je commence à être super inquiet. Oh, regardez comment le bébé me regarde. Oh what? Mais c'est moi ou il est juste ici? Oh, attendez, mais c'est maintenant le bébé qui va me raconter une histoire. Le prince est...
What? Je me sens pas bien du tout, les amis. Oh, regardez l'état de la chambre. Tiens, va là-dedans. Je vais te raconter une histoire et maintenant, t'arrêtes de m'embêter. Bon, du coup, j'imagine que cette fois-ci, ça va être la brebis. Eh bah, écoutez, on va lui raconter son histoire et j'espère qu'après ça, il va s'endormir tranquillement. C'est parti pour raconter l'histoire, mais... Les gars, les images du bébé sont de plus en plus terrifiantes. Allez, on te raconte ton histoire. C'est bon, t'es content? Oh! C'est quoi cette histoire? Oh! Mais... Qu'est-ce qu'il fait le bébé? Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh, laisse-moi tranquille, arrête! Oh, les gars, ça y est, le bébé vient de prendre le contrôle de cette maison et est devenu le pire bébé du monde entier, les gars, regardez-moi ça! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bébé, les amis? C'est clairement le pire bébé au monde entier, les amis! Non mais sérieux, eh, vraiment, les amis de votre côté, n'adoptez jamais de bébé ou ne faites pas de bébé puisqu'il pourrait devenir comme celui-ci, vraiment, c'est horrible! Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo, c'était vraiment incroyable! Dès maintenant, abonne-toi à la chaîne YouTube et je te propose deux nouvelles vidéos, t'en as une juste au-dessus, une à droite, clique dessus et je te souhaite un bon visionnage!